entusiasta che arriva giugno e anche l'estate. Allora, questa corsa sarà so call sarà en français e traduzione italienne simultanea. Dunque, questo call sarà in francese tradotto italiano dunque bilingue. E non so se avete visto, ma abbiamo un ospite un po' particolare questa sera. L'avete visto nella chat e lo vedete anche sullo schermo e. Vado subito a presentarlo, soprattutto per i nuovi, per chi non lo conosce. Come vi dicevo, io ero, sono molto, molto entusiasta che arrivi fine maggio, soprattutto che arrivi giugno e le feste, perché nella nostra attività sappiamo che le feste è anche il nostro modo di lavorare in vacanza, sotto l'ombrelone, con le persone che partono e quant'altro. E per l'ultimo giorno di maggio, dunque l'ultima formazione di maggio, Abbiamo una persona eccezionale. Quando dico eccezionale è il mio sponsor, dunque parlo eh, perché sono anche riconoscente che è lui che mi ha fatto conoscere MWR Life. Non sempre abbiamo la fortuna, diciamo, di avere una persona che ci introduce, che poi magari continua e addirittura diventa un esempio da seguire. Qui in questo caso abbiamo tutti, e parlo di tutti nel Freedom Nation, un grandissimo esempio. Perché una persona che, per chi lo vede per la prima volta o per chi lo conosce, l'ha conosciuto come una persona che vedo che tanti sono già in vacanza, vi saluto, Nadia, ci fate invidia. E per chi non lo conosce è una persona che ha iniziato come tutti noi. Quando dico come tutti noi, perché io l'ho conosciuto che aveva sino 19 anni e non era il Mehdi Soussi che vedete oggi eh, nelle Zoom e sul palco. Era una persona completamente diversa. Ed è per questo che io ammiro ancora di più questo giovane uomo, perché ormai è diventato un uomo. Quando l'ho conosciuto era un ragazzo, poco più che un adolescente, perché aveva appena compiuto 18-19 anni. Oggi invece è proprio un esempio, ha scritto un libro, il suo primo libro ed è anche un coach internazionale, nonché 1 million dollar lifetime. Dunque significa che con questa azienda ha guadagnato più di un milione di dollari. E non è l'obiettivo di tutti, ma non voglio togliere tempo, farò la traduzione simultanea in modo che abbiate anche l'energia e soprattutto possiate vedere... Mehdi, anzi, fatele un benvenuto nella chat, fatele sentire che ci siete, anche perché è una persona molto, molto impegnata e dedica a tutto il film team quest'ora nella nostra formazione. E dunque, benvenuti a Mehdi. E Mehdi, je t'ai introdotto per le persone che non te conoscono, ma la maggior parte delle persone te conoscono, Tu vois, dans la chat, ils te font dei gros bisous. E je t'ai presentato come la persona che ha aperto gli occhi il y a presque cinque anni. et surtout qui a eu un très grand succès suite à, disons, euh, un développement de, dont tu vas parler maintenant. Lâche la parole à Mehdi et je ferai seulement l'interprète. Tout d'abord, merci mille Ghia, pour l'introduction. Bonne soirée à tous. Alors, et... Mehdi lo faire en Italien. Exactement, tu vas et faire en Italien. Uh, play, play Charlie, guys, on va s'arrêter là. Perdons un peu parce qu'on a fait la figure Écoutez, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes en Moi, j'ai encore un petit peu chaud. Je sais pas si vous voyez, j'ai le visage très rouge. Je viens de finir uh, mes 5 km de course à pied. Ho appena fini cinq kilomètres de course à pied, donc bien évidemment, je suis un peu rouge et c'est pour ça que j'ai eu un peu de temps pour arriver en somme. Et d'ailleurs, c'est très, très curieux, je n'avais pas prévu de vous parler de ça, mais uh, ça me... dans l'état que je suis là, j'ai envie de vous partager quelque chose. Je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais vu le stade où je me trouve maintenant, j'ai décidé de partager quelque chose avec vous. Vous savez, moi, ça fait dix ans que je suis entrepreneur aujourd'hui. Ormai, ça fait presque dix ans que je suis entrepreneur. Et j'ai toujours uh, fait une analogie entre le monde du sport et du business. J'ai toujours mis en confronto le monde de sport et le monde du business. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir dans certains de mes trainings, comme dernièrement j'ai fait un training en, avec un le parallèle du golf. Comme par exemple, vous avez vu dans l'ultime training, j'ai fait le training dal vivo avec le golf comme exemple. Et ce que je veux vous partager là, c'est totalement en parallèle avec ce que vous allez, ce que vous vivez au quotidien dans, dans MWR. E quello che voglio condividere con voi è proprio la stessa cosa che voi vivete nel quotidiano con MWR Live. E c'è ce che ho vécu anche io, moi, mes débuts, il y a mesi e anni, il 10 anni in arrivo. E quello che ho vissuto anch'io, 10 anni fa, quando ho iniziato questa attività. Uh, per ceux che mi seguono sulle reti sociali, vous deve notare che io corro di maniera regolare 3-4 fois la semaine en ce moment. Per chi mi vede nelle reti sociali o chi mi segue, sa che corro abbastanza regolarmente, settimana tutti i giorni. C'est tout simplement parce qu'en fait, je suis en train de me préparer à aller courir un semi-marathon. Et parce que je me suis préparant pour courir une petite marathon, Et, marathone, marathone. et, et donc c'est 21 km de course. Et seront 21 km de course. Et donc, pourquoi je vous raconte ça C'est juste que tu te lèves pas un matin et tu te dis je vais courir 21 km. Et pourquoi je vous raconte ça parce que non, est que je me réveille la matin et dit que je vais me mettre à courir 21 km. Parce que si tu es pas préparé. Parce se que si tu ne suis pas prêt tu ne vas pas au bout des 21 km. Non, ne vais pas au fond des 21 km. Qui, qui a déjà fait 21 km ici sur ce col juste Je suis curieux. Qui a déjà fait 21 km uh, Ditemelo sulla dans la chat, sono molto très curieuse. Si j'ai pas de runner ici, c'est OK. Hein? <ride> e nessuno a fatto? No. Ah, Christina, fa. Christina, l'a fatto, Ah, Cristina, tanti Cristina congratulation Congratulations. Congratulations. Et... E quanto tempo ti sei preparata prima di correre questi 21 km? E per quanto tempo ti sei preparata prima di correre questi 21 km? Se vuoi bene rispondere al chat. <ride> non molto. In effetti. C'è d'ailleurs che tu sais t'es tu sais tu sais levata un attimo e tu esci andata a correre 21 km. Tu sei alzata un attimo e sei andata a correre 21 km. Se vuoi puoi aprire il microfono, eh Cristina, così magari senza che scrivi. No, in effetti, c'è stato un disastro per me questa volta. Non ne sono stata preparata assai. Quindi, sono stata preparata perché non ero preparata. Et, mais est-ce que tu cours de manière régulière Non, non, maintenant pas plus, non. Mais, mais avant de faire ton 21 km C'est courir de manière régulière, c'est courir de manière régulière, prima de faire les 21 km. Non, 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 en effet c'était, oui, j'aimais euh, nager plus que. Ok. Que... Et donc tu comprends l'importance de se préparer pour le faire oui, oui, je l'ai bien compris, cette fois-là. Et donc, capishe l'importance de préparer si, avant de faire une course de ce genre. Le premier partage que je vais vous faire par rapport à ça, la première condivision que je vais vous faire à c'est que si demain vous voulez aller faire votre semi-marathon, et que si demain vous voulez aller faire une petite marathon, vous allez vous préparer. Vous vous préparerez. Parce que vous n'avez pas envie de souffrir Parce que vous n'avez pas envie de souffrir vous avez envie d'aller au bout de votre course Avez-vous envie d'y arriver fino in fondo Et vous avez envie que ça soit une bonne expérience Et avez-vous envie qu'il soit une belle expérience Si vous avez envie d'être un entrepreneur à succès avec le marketing de réseau Et si vous voulez devenir un imprenditore de succès avec le network marketing Vous devez être préparé à être un bon networker. Vous devez être préparé à être un bon networker. Et pour moi, il y a plusieurs étapes du process pour être préparé à être un bon networker. Et il y a diverses étapes. Step à faire pour être un bon imprenditore? C'est comme quand je vais courir mon 21 km, je vais devoir m'entraîner et courir plusieurs fois. Comme quand je me mets à courir 21 km, je m'entraînerai et courirai courir plus de fois pour pouvoir y arriver. Donc avant d'obtenir un grand résultat, donc avant d'avoir un grand résultat, donc faire mes 21 km, je vais courir plusieurs fois 5 km. Et donc, avant de faire 21 km, je a à courir plus fois, magari 5 km. Puis après, je vais faire 10 km. Puis, dopo, a farne Mais ça se sera écoulé plusieurs mois. Mais des mois. Et après je vais faire 15. Puis 15. Et puis 20. Et puis 20. Et puis ma course à, 21. Et puis, à faire la course à 21 km. Ce où je veux en venir, c'est que certains d'entre vous vous rêvez de faire 1000 euros par mois, 500 euros par mois, 2000, 3000, trois 5000, quatre mille, quello che voglio dire è che ognuno di voi sogna di avere un risultato che può essere 300, 500, 1000, 2000, 3000, 10, 20.000 euro al mese. Et ce que je veux que vous sachiez aujourd'hui c'est là pour vous accompagner a ça. E que che quello che voglio che sappiate è che noi siamo qui apposta per accompagnarvi a raggiungere quello che volete. Io sono con voi da ormai quasi 5 anni dal primo giorno. Donc, on est là, on est présent pour vous accompagner, vous donner les méthodologies, vous donner l'énergie, l'état d'esprit d'entrepreneur. Donc, nous sommes ici pour accompagner, pour donner l'énergie, euh, le système, la méthodologie et surtout le mindset d'entrepreneur. Mais ce que vous devez vous analyser et comprendre et appliquer, c'est euh, applicare... qu'on peut te montrer comment courir. Que si può far vedere come si corre, Mais on ne peut pas courir à ta place. Mais ne peut pas courir à ta place Donc, je peux te montrer comment je vais aller faire mon 21 km. Donc, ti posso far vedere come faccio a fare 21 km. Je peux t'expliquer et te montrer l'entraînement que j'ai suivi. Donc, je peux te montrer le chemin avec exactitude de comment, de où je suis parti et comment j'ai atteint. Donc, Ce qui signifie que si tu fais exactement la même chose, tu arriveras exactement au même endroit. Et signifie que si la stessa, identica cosa, arriverai allo stesso punto. Mais je ne peux absolument pas me cloner dans ton corps et me et pas me cloner dans ton corps et le faire à ta place. Ma non posso tuo corpo et et c'est ça qui va faire la différence pour moi c'est d'avoir cette prise de conscience déjà. Et c'est ce qui fera la différence pour moi, avoir cette prise de conscience. C'est dévincer de votre esprit. Donc, vous devez le retirer de dal votre tête. Uh, Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est possible pour moi? Si je suis capable de le faire, si c'est possible pour moi, si je serai en de faire. Est-ce que j'ai les contacts pour? Si j'ai les contacts suffisants pour le faire. Est-ce que le marketing de réseau est fait pour moi? Si le network marketing est fait vraiment pour moi, est-ce que je peux réussir dans cette industrie Si je peux avoir succès anch'io dans in cette industrie Vous savez, je vais vous dire, ce sont des croyances bullshit. Ce sont toutes des credences, non vous pas la parole, mais vous avez compris. Et, et, et pourquoi j'appelle ça des croyances bullshit Pourquoi je les chiamo vraiment stupides parce que ça vous empêche, ça vous limite vous-même de ce que vous êtes capable de faire dans la vie. Parce que et ça nous limite que nous avoir dans la Et si vous êtes venu à un événement international, vous comprenez ce que je vais dire. Et si vous êtes venus à un événement international, vous comprenez ce que je vais dire. Si vous n'êtes pas encore venu à un événement international, vous allez comprendre ce que je dis au prochain événement international. Si encore vous n'avez pas eu la possibilité de vedere voir un événement international, vous le verrez au prochain événement. Quand vous voyez toutes les personnes monter sur la scène. Quand vous voyez toutes les personnes qui salgono sur le palco il y a des personnes qui sont jeunes, il y a des personnes qui sont moins jeunes, il y a des personnes qui sont expérimentées, il y a des personnes qui n'ont pas d'expérience il y a des ne Il y a des personnes qui sont des hommes, il y a des gens qui sont des femmes il y a des personnes qui sont salariées d'autres qui sont à temps plein dans l'activité que le fanno invece a tempo pieno l'attività di network. Il y a des personnes extraverties. C'est des personnes extraverses. Il y a des personnes introverties. Des personnes introverties. Des personnes timides. Des personnes timides. Des personnes qui ont confiance en eux. Ce personnes qui ont confiance en eux-mêmes. Ce que je suis en train de vous dire là, que c'est qu'on a tout type de, profil de profils de personnalité. Et qu'il sont tantissimi profili diversi de di personnalité. Qui réussissent dans cette activité. Qui ont succès dans cette activité. Parce que ça se résume à quoi Parce que en que ça se si résume Demain, si je pars faire une course de 21 km, donc un semi-marathon, demain, si je me mets à faire une course de 21 km, qu'est-ce qui va déterminer que je vais faire ma course que cosa sì que io a farla, Mon état d'esprit Le mindset L'action que je vais poser L'action que je ferai. Le fait que je pousse mon corps à avancer une jambe devant l'autre et continuer à le faire. Il faut que spingerò il mio corpo a mettere un pied davanti all'altro e continuerò a farlo. Et l'entraînement que j'aurais mis avant. E l'allenamento che ho messo prima, la préparation. La raison pour laquelle je vous partage ça ce soir. Il motivo per cui ve lo dico questa sera. C'est que vous êtes une super équipe. Che siete veramente una grandissima squadra. Il y a des personnes que j'apprécie particulièrement parce que ça fait des mois et des années que je vois. plus parce vois Mais je me dois de vous dire une chose. Mais dire une chose. Parce que c'est mon job de vous le dire. que di dire. Eh, vous méritez mieux. méritez de plus. Mais le truc, c'est que vous ne vous autorisez pas à aller chercher ce mieux-là. E se no, ancora non ce l'avete perché non vi autorizzate ad andare a prendere questo meglio? Perché non vous avete pas démarré votre course? Perché ancora non siete partiti con la corsa. Vous regardez les autres queers. State guardando gli altri che corrono. Non li regardez fare, nemmeno pas des semi-marathon, ma li regardez fare des marathon e vous restez là a côté. Non li guardate neanche fare dei mini maratoni, ma proprio dei maratoni e rimanete lì a guardarli vicini. Moi, j'ai une question sur ce call. Qui a le désir au fond de lui d'obtenir au minima 1000 euros par mois avec cette activité Dites-moi dans le chat juste oui. Je vous demande dans le chat de di dire si, sì, si vous avez au moins le désir d'arriver à 1000 euros par mois avec cette activité. Moyen-long oui. terme. Je ne parle pas de le mois prochain, moyen-long terme. Non, je ne parle pas mese. prochain mois, je parle de eh, vous pouvez même lever la main si c'est plus rapide pour vous. C'est <laughs> aussi calzare la mano se si è più veloce. OK. OK. Est-ce que j'en ai ici sur ce call qui rêverait d'aller chercher par exemple 2000 euros par mois. Invece, c'est quelqu'un in questa call che vorrebbe arrivare almeno anche a 2000, non a 1000, a 1000. Si Et pour qui est-ce que ça changerait, et je, vous allez voir, je ne prends pas de gros montants exprès, mais pour qui est-ce que ça changerait la vie ici, sur ce col, de faire avec une activité comme celle-ci 5 000 euros par mois Et non, c'est pour euh, spingervi, mais à qui changerait vraiment complètement la vie Et non, pas non pour les soldes, non, c'est euh, l'aspect économique, mais à quoi peut cambiare dans la vie à faire 5 000 euros par mois Forcément, ça, ça change la vie de tout le monde, 5 000 euros par mois. Obviamente, cambia la vie de tous, 5 000 euros al mês. Ok. Laissez-moi vous partager deux prises de conscience par rapport à cela. Et je vous garantis une chose c'est que si ça rentre dans votre cerveau aujourd'hui, ça va créer le déclic de votre vie. Alors, je vous una une chose que maintenant, si ça rentre, si très attentif, dans votre tête, proprio quel clic de votre vie. Les gens s'attendent à ce que les choses soient plus faciles. Les personnes s'y attendent toujours que les choses soient plus faciles. Et c'est ça leur problème. Et l'unique problème est celui Vous ne devez pas vous attendre à ce que ça soit plus facile. Vous ne devez pas vous attendre que ce soit plus facile. Vous devez devenir meilleur pour que ça vous paraisse plus facile. Dovete diventare migliori, così vous devez devenir meilleur pour que ça vous paraisse plus facile. Le problème c'est que les gens disent « Oui mais moi j'aimerais que les gens me disent oui. J'aimerais que ça soit plus facile. Tante persone mi dicono, io mi piacerebbe che le persone mi dicano di sì, che sia più facile convincerli o farli aderire. Laissez-moi partagare una grossa prise di conscience là maintenant. E adesso vi do una grande presa di coscienza subito. Se fosse facile, non sarei là. Se fosse facile, probabilmente non sareste qui. Perché Ioni n'aurait pas besoin di voi. Perché Ioni non avrebbe bisogno di noi. C'è una realtà, je vais dire una cosa, aujourd'hui Ioni ha costruito una compagnia extraordinaire. C'est une réalité. Ionia a construit vraiment une entreprise extraordinaire. Mais sa force commerciale, c'est nous. Mais la sua force, c'est. nous. Donc nous, on a besoin de lui pour le produit. Et donc, nous avons besoin de lui pour le produit, le service. Et lui, il a besoin de la force commerciale du marketing de réseau pour grandir. Et lui, invece, il a besoin de la force du network marketing à niveau commercial pour crescere. Et il ne va pas payer des gens parce que c'est facile. Et il ne paierait pas les personnes si c'était facile. Et ils payent des gens parce que ça représente une certaine somme de travail. Ils les pagent proprio parce que ça veut dire qu'ils ont un travail, donc qu'ils font une activité pour être rémunérés. Ce que je veux vous dire en même temps, ce n'est pas que c'est impossible. Mais non, je ne vous dis è que c'est impossible. C'est juste que c'est une sortie de zone de confort que vous n'avez jamais connue auparavant. Et simplement uscire de propria zona zone de confort, comme vous n'avez jamais connue vous ne l'avez auparavant, qui fait qu'aujourd'hui, que, fait que Si que si vous arrivez à faire cette prise de conscience et cette sortie de zone de confort, si vous réussissez à avoir cette prise de conscience et à sortir de votre zone de confort, vous allez réellement créer quelque chose de différent. créerez réellement quelque chose de différent Et la deuxième chose qui est importante. Et la seconde chose qui est importante, c'est si je vous pose la question sans parler de même tous les jours, qui c'est la demande, mais non tous les jours. Qui, sur les 60 derniers jours Qui, dans les 100 derniers jours, a au moins fait une présentation tous les deux jours A fait au moins une présentation tous les deux jours, disons trois semaines. Oui. D'accord. Okay. J'ai des personnes qui ont cette constance. Oh, des mais, non. Bravi. mais non Mais non qui a fait au minimum une présentation tous les jours sur les 60 derniers jours Et qui, en a fait une présentation ogni jour, les deux derniers mois Et la question à se poser, c'est Ok, je veux le double de résultats. Et si on se dit Ok, je veux mes résultats, au moins Ou je veux le triple de résultats Laissez-moi vous partager une, une prise de conscience réelle. Vi devo dire une chose. MLM égale mathématiques. Network marketing est mathématiques. Et on dit toujours It's a numbers game. Et si, c'est un jeu de numéros. Tu veux le double de résultats. Si tu le double des résultats, double le nombre d'actions que tu veux. le nombre d'actions que fais. C'est-à-dire que si je vois que je suis en train de courir. Si je vois que je suis en et que je suis à deux mois de mon semi-marathon, et, et que je n'arrive pas à courir plus de 7 km, et, non a oltre 7 km, et que je ne cours qu'une fois par semaine, et cours una volta a settimana, et je vais courir, commencer à m'entraîner quatre fois par semaine. À 3, 4 volte a settimana, parce que je veux faire accentuer mes résultats. Que accentuer mes résultats. Alors que si je continue à faire exactement la même chose, et donc si je continue à faire exactement les choses, je peux que simplement m'attendre à, à avoir le même résultat. Et c'est la phrase que vous devez rentrer dans votre esprit aujourd'hui. C'est que, que si je fais la même chose, se si le de la même manière. Avec la même répétition. La même répétition je j'attire dans ma vie le même résultat attirerai dans ma vie le même résultat vous savez je crois que c'était une phrase d'Einstein qui disait que fallait être complètement fou pour faire la même chose et s'attendre à avoir un résultat différent c'est la phrase d'Einstein qui dit que il faut être complètement fou pour penser de faire les mêmes choses et obtenir un résultat différent et donc je vais tripler quadrupler mon mon niveau d'action et donc si je triple ou quadruple la mon action eh... moi c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui c'est ce que je vous invite à faire. Pour ceux qui ne font pas encore une presse tous les deux jours. Pour qui, encore, ne font pas une présentation tous les deux jours. Et je vous invite à commencer à le faire. Je vous invite à commencer à le faire. Et vous savez, ça part juste d'une décision, en fait. Et parte tout d'une décision. Et faites même une presse par jour. Si vous voulez, faites même une al jour. Vous savez pourquoi vous accorderiez plus d'importance au job, à un job pour lequel vous réalisez les rêves de quelqu'un d'autre, moins qu'à votre propre business. perché spesso noi diamo più importanza a un lavoro che eh, realizziamo i sogni di qualcuno piuttosto che alla nostra propria attività che ci stiamo creando. ici vous ne lo voyez peut pas perché qui magari non lo vedete ancora ma se vos objectifs, c'est vos rêves, c'est votre liberté sono i vostri obiettivi, i vostri sogni per cui lavorate, la vostra libertà e vous dovete rispettare. Et per questo dovete rispettarlo? C'est comme si vous vous positionnez de la persona che applaudì tutti i coureurs a fare il semi-marathon. E come se voi state a guardare chi fa la maratonetta e fate l'applauso. E che là, passez de l'autre côté, vous prenez il controllo e che voi couriez vostro proprio semi-marathon. E passate dall'altra parte e vi mettete a correre a, a prendere, diciamo, possesso della vostra maratona. non di essere un. Non A essere, insomma, voi che agite. E. Et... La signification de la ligne d'arrivée, c'est l'atteinte de certains objectifs et rêves dans votre vie. Il significato della linea di arrivo sarà il raggiungimento del vostro obiettivo, di ogni obiettivo che voi raggiungete. Et je vous garantis que si je faisais une chose. E vi dico che vi garantisco anzi che se faccio una cosa. Qui que vous soyez, s'il vous met sur une ligne de départ. Chiunque voi siate, se vi metto su una linea di partenza. Et que je vous dis dans 21 km plus tard. Et que dico, 21 km et puis là, Il y a un chèque avec votre nom. C'est un à nom Avec un million de dollars dessus. million de dollars. Vous allez tous faire votre course. Ferez tous la course. Vous allez pas dire non, je commence demain. Et non direz mais non, je commence demain. Ou je la fais dans un an. Oh, magari dans un an. Ou euh, je vais le faire euh, un sur deux. Oppure magari dai, faccio mezza corsa oggi, mezza domani. Ou on verra bien si ça et je vais o poi bo, vedremo se, se ci riesco, ci provo, vediamo se ci arrivo. Même se tu dois fare les derniers kilomètres en rampant, tu vai a faire. Anche se fai gli ultimi kilometri sui ginocchi o arrampicandoti, le farai strisciando. Que Perché quello che è importante, ce n'è l'argent, non sono i soldi. C'est le changement de vie qu'il y a derrière. Le cambio di vita che puoi fare con soldi. Les vacances que tu as jamais pu te permettre de réaliser. C'est ton style de vie qui va changer. C'est le style de vie de ta famille. Lo le stile Les souvenirs que tu vas créer toi et ta famille. C'est le bonheur que tu vas créer autour de toi. La felicità pour toi mais aussi autour de toi. C'est l'aide que tu vas pouvoir donner par exemple à tes enfants quand ils vont se lancer dans la vie. Aiuto, magari che potrai dare ai tuoi figli quando si lanceranno nella loro carriera. Ce que je veux vous amener à réfléchir là aujourd'hui. Che per cui vorrei che voi rifletteste oggi. C'est que vous devez regarder votre course d'une manière différente. Che dovete iniziare a guardare la vostra corsa in un altro modo. Arrêtez de regarder les difficultés. Non guardate le difficoltà. Arrêtez de regarder euh, Donc regardez les résultats que vous avez atteint jusqu'à aujourd'hui. Arrêtez de regarder le passé. Non, n'allez pas regarder le passé. Parce qu'il y en a trop. Ça fait trop longtemps que vous êtes là. Parce que quelqu'un est là depuis tant de Et vous êtes rongé par le passé, par l'expérience, par ceci, par cela. Et peut-être qu'il pense toujours à ce que c'est, passé, à l'expérience, à ce qu'il a fait bien ou mal. Vous devez vous positionner de coureur aujourd'hui. Vous êtes un coureur tout neuf. Comme si ce fosse vraiment un corridor nouveau. Et au bout de ces 21 km, il y a votre cadeau qui vous attend. Et à la fin des 21 km, vous trouverez le C'est le cadeau que vous, vous offrez à vous-même. Le régal que vous choisissez d'offrir à vous-même. Et la réalité, c'est à quelle fréquence, à quelle vitesse vous allez courir vos 21 km? Dunque, l'unica domanda è con che velocità e a, con quale frequenza correrete i vostri 21 km? Se 21 km rappresentano 6000 presentazioni, se 21 km 6000 presentazioni, voi e le vostre equip? Per voi e le vostre squadre, ovviamente. E future equip, bien évidemment. E le future squadre che arriveranno? Est-ce mettere 15 anni o un anno? Metterete 15 anni o un anno? Et là, vous commencez à comprendre le mindset dans lequel j'ai démarré le MLM. Quand j'ai démarré le MLM, j'avais 19 ans. Et j'étais fauché dans la vie, j'ai gagné 800 euros par mois. Et j'ai eu cette phrase, cette illumination dans mon esprit qui m'a dit, franchement, 10, si les 45 prochaines années de ta vie elles sont comme ça, c'est nul Et nella mia testa una frase continuava a dirmi: Ma se i prossimi 45 anni sarà così, veramente, no? che vita è? Quindi, so tu continui questo marathon che è inutile. Ah dunque, c'è due scelte: o si continua su quella via che poi alla fine il risultato sappiamo qual è. Donc, le marathon mon temps de, de l'argent pour quelqu'un qui ne me valorise pas à la hauteur de ce que je suis. Per me, era scambiare il, il mio tempo per dei soldi, per qualcuno che non mi riteneva all'altezza di quello che ero realmente. Je comprends mon propre marathon de ma liberté. O inizio la mia maratona per la mia libertà. Le, la seule différence? L'unique différence? C'est oui, d'un côté il y a une liberté, de l'autre non. Da una parte sì si, c'è una libertà, l'autre no. Mais c'est pas du tout, du tout, du tout le même niveau d'action et de conditionnement. Ma non è assolutamente lo stesso livello di azione e soprattutto di condizionamento. Et donc j'ai dû réapprendre. E dunque ho imparare. C'est pour okay. ça que vous avez des zooms de formation comme ça. Réimparer, donc, c'est pour ça nous avons de zooms de formation comme ça. Vous avez aussi des formations comme vous allez avoir à Rimini très prochainement, le 22. Vous aurez aussi des formations live comme celle que vous aurez le 22 juin à Rimini Je ne vous pose pas la question de est-ce que vous y serez. je ne vous fais pas neuf la demande si vous y serez. Parce que si vous avez compris que si vous voulez courir votre semi-marathon vers votre succès. C'est si vous avez compris et que vous voulez courir marathon vers le succès, pas une option, c'est une obligation d'y être. Non, c'est une option mais c'est un oblige. Parce que c'est des événements comme ça qui propulsent votre niveau de compétence, de vision. Parce que c'est des événements comme ça qui vous font augmenter les vos compétences, la votre vision. C'est des événements comme ça, vous savez, qui rechargent les batteries. Evénements comme ça, qui récaricent les batteries. Ils permettent de connecter avec d'autres entrepreneurs. permettono Di collegarsi e connettersi con altri imprenditori e che le vi permettono next level di raggiungere un risultato in più. Donc, moi ce que je vous encourage à faire aujourd'hui. Dunque, quello che io vi incoraggio oggi a fare, è di vos priorità di vedere, guardare le vostre priorità o magari <coughs> rivedere le vostre priorità. Parce mon premier event, perché al mio primo evento. Je prends conscience de tout un tas de choses. Et la première priorité que je mets en place. Et la C'est que quoi qu'il se passe. Et que succeda, chaque jour qui passe, je vais courir. Ogni je vais courir vers mon succès. Verso il mio je me contrefiche de j'ai des rendez-vous qui sautent. Mi interessa se saltano degli appuntamenti. Je me contrefiche de s'il y a des personnes qui ne veulent pas faire l'activité. Si si je me contrefiche de savoir si je manque de contact. non m si mi contacts. Parce que je sais que ça fait partie du chemin de l'entrepreneur à succès. Et si j'expérimente ça, Et si ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Dire que sulla si je fuis ça, je je suis sur le mauvais chemin. Je strada sbagliata. Et donc, je savais que j'étais sur le bon chemin. Et, donc, sul Et je me suis interdit qu'une journée passe sans que je fasse des rendez-vous. Et je me suis di de faire un seul jour sans un J'ai commencé à faire quatre présentations par jour, puis cinq présentations par jour. Je suis arrivé à faire 4 5 présentations par Et quand j'ai pu passer à temps plein, quand je suis passé à temps plein, Je tournais à minimum 10 présentations par jour. Je vais vous faire une grosse, grosse, grosse grosse prise de conscience mathématique. Je veux vous faire quelque chose à niveau mathématique. 10 présentations par jour à la semaine. 10 présentations al jour à semaine. Ça fait présentations? 70 présentations.

Non ho fatto il 90 dei Blitz, cioè 90 giorni di Blitz, ma l'ho fatto per un anno. fatto 3360 presentazioni. Ho fatto vedere il progetto a 3300 persone. Dans, juste dans ma première année Nel primo anno. E c'est ça qui a créé le résultat que j'ai aujourd'hui. E questo ha permesso di creare questa spinta che è arrivata oggi. Ma non, se tu fai una presentazione par semaine. Immaginiamo di fare una presentazione a settimana. Fois 4, ça fait 4, 4 à la, à, au mois. Ce sont 4 présentations mese. mês. Fois 12, ça fait 48. Euh, attends, euh, oui, fois 12, ça fait 48. Vers 12, ça fa fait 48. Il te faut 69 ans. Il faut 69 ans pour faire ce que j'ai fait en une année. Pour faire le même résultat che ho fait en une année. Ce que je suis en train de vous dire je suis en train de dire. Et je veux être super clair sur ça. Je veux être très clair sur ça. Vous n'avez pas besoin de faire 10 présentations par jour tous les jours pendant une année pour réussir. Vous n'avez pas besoin de faire 10 présentations par jour pendant un an pour avoir succès. Parce que clairement, j'étais en mode robot. Parce que évidemment, j'étais en un robot. C'est juste ce sur quoi je veux vous amener à comprendre. Ce que je veux que vous ayez à comprendre. C'est que mon objectif était de faire le plus rapidement possible 50 000 dollars par mois. Je voulais, et c'était une obligation, de faire 50 000 dollars par mois. Et ero fissato, era un par mois. Donc je savais que le sacrifice que je devais faire était à cette hauteur. Donc je savais que le sacrifice que je devais faire pour avoir la cifra était à quell'altezza. Et que je devais faire ça pendant 3 à 5 ans. Et que je devais faire ça pendant 3 à 5 ans. Devinez quoi C'est ce qui s'est matérialisé plusieurs années après. Et c'est ce qui s'est passé quelques années après. Parce qu'il y a une phrase qui dit que si tu ne fais pas des sacrifices pour ce que tu veux. Parce qu'il y a une phrase qui dit que si tu ne fais pas des sacrifices pour ce que tu veux. Ce que tu désires, que va devenir le sacrifice. Diventerà un sacrificio. Et donc, s'imaginons, je vous ai posé une question de ce but de ce call, vous voulez faire 5 000 par mois. Donc, je vais la demande à l'initiative call pour qui veut vraiment faire grandi résultats, circa 5.000 al mese. Vous divisez par 10 le niveau d'action que j'ai pu faire. Dividez par 10 les actions que j'ai faites. Ça fait une presse par jour. Signifie une présentation par jour. Une presse par jour pendant les 3-5 prochaines années. Une présentation par jour pour les prochains 3-4-5 ans et vous aurez 5 000 euros par mois. Qui est prêt à faire ça Qui est prêt à faire ça Qui est prêt à prendre cet engagement Qui prend cet engagement C'est des maths. C'est seulement mathématiques. S'il y en a d'autres qui veulent faire 50 cas par mois, Dunque, pour toutes les personnes qui veulent faire 5.000 in su al mese, 50.000 ah, 50 al mese, pardon. Ah, tu comprends l'italien. Si, si, ah, uh, capito, capito. Tu si, sais, non si de <laughs> di 5.000, mais ne vuole 50, comme me. Faites 10 presse par jour. Fatenez 10 al jour. Tout est une question de tolérance. Et, et, de... et de priorité. Et de priorité. Rien n'est impossible, impossible. Mais tout demande un certain niveau d'action et d'engagement. Vous en êtes capable. Vous siete capaci, mais vous seul décidez de la course que vous allez mener. Solo vous la vous et vous avez tous une course à mener. Et tous avez une à faire. Donc moi j'ai envie de vous pousser et de vous emmener à aller courir cette course. Per questo, io voglio spingere a fare la corsa plus longue que si ait, la plus e soddisfacente. Et encore un coup, il y en a qui veulent faire qu'un complément de revenu à 500 euros par mois Mais pour chi vuole invece avere solo un reddito aggiuntivo, 500 euros al mese C'est OK, faites 3 presse par semaine, 4 presse par semaine, c'est OK. Va benissimo, con 3-4 présentations par semaine, vous pouvez potete raggiungerlo molto facilmente. Beh, vous voulez faire 2000 euros par mois Allez chercher une press par, par jour. Se ne volete 2000 mois ensteu faites-en au moins une un jour et surtout je vous le répète c'est important et ce que je vous vi... répète parce que c'est important moi ce qui m'a amené à avoir cette évolution ce qui m'a porté à avoir cette évolution c'était de, de travailler sur moi et c'était justement le travail sur moi-même de suivre un processus de formation seguire un processo di formazione, et d'écouter les gens qui avaient ce que je veux et d'écouter les personnes qui avaient ce que je désirais. Parce que c'est toujours facile d'écouter les gens qui n'ont pas ce qu'on veut. C'est facile d'écouter les personnes qui n'ont pas ce qu'on veut. Mais je vais vous laisser sur cette phrase. Je vais laisser avec cette phrase. C'est. Euh... <laughs> fais des choix faciles, écoute des gens faciles. Fais des scènes faciles, ascolte des personnes faciles. Et tu vas te constituer malheureusement une vie difficile. Et, una vita difficile. et le fait de faire des choix difficiles, invece, écouter des conseils de personnes qui peuvent être difficiles, te difficiles va t'entraîner à te constituer une vie facile. Et c'est ce que j'ai pu observer moi personnellement pour moi depuis 10 ans. C'est quello che que io sto osservando per quanto mi riguarda da 10 anni a sta parte. Et c'est la magie que j'ai vue se passer dans la vie de milliers de personnes sur ces dix dernières années. Et la magia che ho visto succedere nella vita di tantissime persone in questi dieci anni. Vous avez la chance d'avoir des leaders. Avete la fortuna di avere dei leader. Qui croient en vous. Credono in voi. Qui ont réellement envie de vous pousser et de vous faire passer le next level. Hanno veramente voglia di aiutarvi di farvi raggiungere il livello successivo. Comprenez cette valeur. Godetevi questo valore, capitelo. e connettetevi a a tutto questo. Allez sur les formations Zoom toutes les semaines. Andate a seguire le formazioni Zoom ogni settimana. Allez sur les formations physiques. Andate live quando potete, quando ci sono degli eventi. Come Rimini, come Toulouse en France au, au mois d'octobre. Come Rimini adesso lo United o il bootcamp a Toulouse a ottobre? Et on va se rejoindre très bientôt. E non che ci vedremo molto molto presto. Et et, et moi j'ai hâte de voir les les personnes qui vont commencer à courir leur semi-marathon. E non vedo l'ora di vedere le persone correre la loro maratone. Je veux vous garder cela en tête, c'est que tout est une question de décision. c'est tout. Voglio che teniate veramente in testa que solo una questione di decisione. Il y a rien impossible. Niente è impossibile. Tout est possible à partir du moment où vous décidez que ça le devient. Tout est possible dans le moment où vous croyez que ça le devient. Et c'est la magie du marketing de réseau. C'est la magie du network marketing. Il n'y a réellement aucune limite. Il n'y a vraiment aucune limite. Cette industrie elle peut vous offrir exactement ce que vous voulez. Cette industrie peut vous offrir vraiment ce que vous voulez. La seule personne qui va déterminer la limite de cette industrie l'unica personne qui décidera il limite de cette industrie, c'est vous. C'est vous. Et donc ne limitez pas votre potentiel. Et donc, non limitez le votre potentiel. Prenez les décisions qui sont alignées avec vos objectifs. Prenez des décisions alignées avec vos objectifs. Et mettez-vous sur la ligne de départ. Et sur la ligne de partenza. Et faites un gros run. Et faites une belle course. Et courez déjà jusqu'à Rimini. Rimini Et de Rimini on va vous aider à courir jusqu'à Toulouse. Toulouse. Et de Toulouse on vous aidera à courir jusqu'au prochain événement. Et, da Toulouse vi aiuteremo a à l successivo. et de Toulouse cet événement au prochain. Et, così di seguito. et ce qui va être très beau. C'est que d'ici l'année prochaine. E à l'année prochaine, vous ne serez plus tout seul quand vous regarderez à gauche ou à droite en train de courir. Vous aurez une armée de personnes à vos côtés qui courront avec vous. Et la raison pour laquelle vous auriez une armée de personnes qui courra autour de vous. Je n'ai pas compris, tu peux répéter. La raison pour laquelle vous aurez une armée de personnes qui courra avec vous. Et le motif pour lequel vous aurez une armée de personnes qui courent avec vous, et ça, beaucoup de gens négligent ça dans le marketing d'horizon des marins. Tante personnes, quand inizient, non ne nous fassent pas caso à ça. C'est que, en rapport à votre décision aujourd'hui, qui est en rapport à votre décision d'aujourd'hui, vous allez avoir un impact positif sur la vie de centaines et de milliers de personnes. Avrez un impact positif sur la vie de centaines et de milliers de personnes en futur. Parce que vous allez aider des centaines et des milliers de personnes. Parce que vous pourrez aider centinaia ou plus de personnes. À pouvoir commencer leur propre course de leur semi-marathon vers leur rêve. À initier également la loro course vers leurs soins. Et ça, c'est quelque chose qui est pas mesurable financièrement, mais qui est mesurable à un autre niveau qui est plus important. Et ce n'est pas mesurable à niveau financier, à niveau économique, mais à un autre niveau qui est beaucoup plus important. Donc, euh, je vous invite à commencer votre course, les amis. Et donc, je vous invite à initier la votre course. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. C'était vraiment un grand plaisir pour moi d'être avec vous. C'était un grand plaisir d'être traduit par Madame Chiara Rossiglioni. Un grand plaisir cette traduit de Chiara Rossiglioni. Merci beaucoup, Chiara. Merci à toi, Mehdi, comme toujours. Et, et un grand merci à vous tous d'avoir été connectés. Et ringrazio anche tutti voi che vi siete connessi e rimanete connessi perché abbiamo una piccola surprise per voi. Et on reste connectés tous ensemble. Rimaniamo connessi tutti. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Et vi dico à tra pochissimo. Merci, Chiara, pour l'invitation. Merci, Mehdi, pour l'avoir accepté. Avec grand plaisir. Ciao à tutti. Ciao, Mehdi, la prossima, ti vogliamo in italiano. Si. <laughs> Eh, ringrazio Medì che come sempre no. è stato molto, merci, molto ispirante e la cosa più bella è quella che vi ho detto, è che sembra veramente che tutto sia stato facile per lui, ma io so che non è così perché io l'ho visto quando veramente cercava come me di raggiungervi, è stato bravo perché ha fatto molto più corsa, molto più maratone ma soprattutto anche molte più presentazioni e aveva anche l'età che le permetteva anche di correre magari di più impegni familiari che non aveva. E la cosa bella è che come ha detto lui, cioè quello che ha fatto lui, è vero, ha parlato di livello economico perché è quello che si può misurare, ma so che tante persone, come me all'inizio, non erano nel network marketing per i soldi, perché è vero che tutti vogliamo 1500, 2000, 5000 o più al mese, ma fondamentalmente se siamo qui da più mesi o più anni... Oggi non è quella la molla che ci spinge tanto. Io quello che mi ha completamente cambiato è stato conoscere il mondo dello sviluppo personale, perché la Chiara che vedete oggi, è come il medì che vedete oggi, non siamo le stesse persone di 10-11 anni fa. Perché? Perché chiaramente abbiamo capito i nostri limiti, ci siamo confrontati con i nostri limiti ed è il motivo per cui, con eh, tutti i leader, abbiamo pensato non solo di fare laboratori, presentazioni, azione, ma di creare anche, come vi ho accennato l'ultima volta, un percorso di crescita personale per il prossimo mese di giugno, che poi si protrarrà anche durante i mesi estivi, vedremo un po' come gestirlo anche con le vacanze, ma l'idea che cos'è? È permetterci di oltrepassare i nostri limiti e dunque di correre meglio, di più e più a lungo. Non tutti dobbiamo fare la maratona di 21 km, assolutamente no. C'è chi vorrà correre magari solo un chilometro, chi vorrà correre 5, chi vorrà correre 10, la stessa cosa di chi vorrà migliorare se stessi e soprattutto superare i propri limiti, come ho fatto io tanti anni fa, come sto continuando a fare ogni giorno e ogni mese. Dunque, l'obiettivo che cos'è? Sfidarci, capire dove possiamo migliorare per poter raggiungere i nostri obiettivi. E per questo lo faremo in diverse sedute abbiamo voluto. Eh, creare la prima con veramente un input in più, ma non solo per voi, non solo per il Freedom Team e voglio lasciare la nostra super coach eh, spiegarci quello che abbiamo in mente, almeno per il primo incontro che poi ci permetterà invece di fare un percorso eh, condiviso su tantissimi argomenti di cui vi parleremo. Ti lascio la parola a Tunde per raccontare un po' questa cosa molto particolare che andremo a fare. Il allora, ciao a tutti, Nadia. grazie, grazie a Chiara, grazie che siete qua, qui con noi. Allora, come ha detto Chiara, ci, sarà, ci saranno dei lunedì veramente molto motivanti, molto mh, dedicati alla crescita personale, ovviamente tutto quello che riguarda, e serve per il nostro business. Ma il primo la prima, come si dice, la prima, sì, giorno, giorno, vabbè, maschile e femminile, sapete che per me è veramente una grande sfida, però ormai mi conoscete, quindi mi prendete così. Quindi il primo giorno dedicato eh, alla, diciamo, un po' qualcosa di particolare. Un, vogliamo, vorrei farvi creare la vostra mappa numerologica, ok? Quindi il che andremo a vedere eh, chi siamo, chi siamo destinati a fare, che karma ci portiamo dietro e un pochettino andiamo a indagare. Vi presentano l'astrologia, quindi ognuno noi un pochettino no, curiosa in astrologia, la numerologia un'altra scienza e andremo a creare la nostra mappa numerologica lunedì, ok? Vi piace eh, il discorso? Bene, bene. Quindi, questa sarà diciamo una connessione con noi stessi, con i nostri numeri, con i nostri destini e, e la nostra anima. Perfetto, detto ciò, questo sarà invece un appuntamento speciale. Perché sarà un appuntamento speciale? Perché in quanto non è solo ed esclusivamente orientato al nostro lavoro, al nostro business, ma orientato verso le persone, abbiamo deciso di dare la possibilità di portare. Una persona con voi in formazione per la mappa numerologica. Ok, una persona che non fa parte del business. Quindi, una persona, un'amica, una conoscenza, una sorella, una cugina, qualunque persona che volete portare. Anche farlo assaporare il nostro gruppo, ok? Quindi, dare la possibilità di vedere che siamo veramente una grandissima famiglia e farlo capire anche delle persone di di, di che non facciamo solo ed di esclusivamente diciamo business così ma facciamo tante altre cose perché la crescita personale oltre che serve nel nostro business ovviamente serve anche per noi stessi quindi abbiamo dato eh, questa possibilità quindi chiunque vuole non è obbligatorio ovviamente ma chiunque vuole può portare una persona eh, in questo primo appuntamento vi fa piacere come l'idea vi piace? Ok, è una cosa carina, credo, no? Perché così apriamo anche un po' il nostro cuore verso eh, l'altra persona, quindi tranquillamente potete apportare. Poi dalla settimana successiva invece andremo poi qualcosa un po' più specifico per quello che riguarda il nostro business, quindi laboratorio, crescita personale e eh, orientamento verso. L'azione, questo sarà il nostro percorso estate. Visto che è estate, eh, speriamo che non piove tanto e, come dice, magari possiamo correre molto. Quindi, correremo anche con, eh, con la motivazione, con le formazioni e così via. Quindi, spero che questa idea vi piace. e Lunedì vi aspetto, allora, tutti quanti. Ovviamente, sempre con penna e quadernino, perché andremo poi a elaborare in diretta tutto. E chi è che è ovviamente è invitata lo dite la stessa cosa: di portare con sé penna e libricino per poter prendere appunti. Non lo so, Chiara, se lunedì prossimo lo stesso pensi di tenere alle sette o vogliamo fare l'8 e mezza per poter fare accedere più persone. Non lo so, questo dimmi, te, non siamo riusciti ancora a parlare di questo. Sì, eravamo indecisi se lasciare le 19 o le 21, però mi raccomando una persona a testa, cioè non invitate 10 persone, ognuno ne invita una e se qualcuno magari della vostra squadra non le ha invitate, vi potete permettere di invitarne due. L'altra cosa molto bella che ci sfiderà a dire se riusciamo a invitare una persona per una cosa che ci interessa, perché comunque è una cosa nuova, che magari qualcuno di voi conosce, qualcuno magari non sa ed è curioso, Immaginate che l'invito è esattamente lo stesso per quanto riguarda la piattaforma. E dunque ci mette anche alla prova magari di invitare qualcuno e di farle vedere il nostro mondo, dunque il mondo della crescita, il mondo eh, di imparare delle cose nuove. Dunque questo è stato anche lo scopo, e visto che abbiamo una maestra per quanto riguarda la numerologia. E so che qualcun altro di voi eh, ci si diverte, è stato diciamo, il primo argomento, perché comunque è un argomento non legato direttamente a MWR, anzi per niente legato, che ci permette anche di ampliare o di risentire qualcuno della nostra lista contatti che potrà servire allo scopo, perché da lì invece partiremo con il percorso di crescita e dunque potrà essere anche magari curioso non solo di un guadagno extra, non solo di una vacanza, ma anche di potersi creare un percorso e fare... Una bella crescita. Vogliamo chiudere con invece l'invito a vederci non solo a Rimini per la formazione, ma Tunde. Se vuoi eh, raccontarci after party eh, in modo che chi non ha preso i posti possa anche perché so che assolutamente sono... sì. Allora, il posto è meraviglioso. Ho avuto già il feedback alcuno qualcuno di voi che mi sa che l'altra volta, come Stefania è andato già a incuriosire, a incuriosire su questo posto. È un posto magnifico, una palla. Proprio sul mare, quindi avremo la terrazza riservata solo ed esclusivamente a noi, È facilmente raggiungibile perché sta dietro la ruota panoramica, quindi ancora più bella. È tutto, tutto per noi, insomma, questa palafitta, tutto il terrazzo. Avremo una cena veramente meravigliosa, come avete potuto leggere al menu c'è anche un menu per bambini, quindi chi ha dei bambini non ci sono problemi, potete tranquillamente portare, perché c'è un menu per bambini e un, un tavolo riservato solo per loro, così almeno si divertono anche loro e anche noi possiamo godercela la serata. Dopodiché ovviamente ci sarà il DJ, insomma ci divertiremo. Domenica stiamo programmando, comunque sia dalla mattina, con varie attività, team, team building, meditazione e così via, quindi a avrete insomma tutto il programma del weekend mi raccomando l'after party ragazzi perché più di un tot persone non possiamo proprio farlo eh, entrare ok quindi una volta raggiunto il numero fine e sappiate che non siamo solo noi perché c'è anche l'altro team quindi eh, chi è che deve prendere Ragazzi, prendete al posto, prenotate è nominativo quindi se venite con vostro marito, amica o qualunque cosa non c'è problema. è Importante che prendete eh, un biglietto a testa e se portate bambini, vi chiedo mh, per cortesia di indicare anche l'età del bambino, ok? Poi vi ho messo un facsimile, insomma, come fac fare le prenotazioni per, per essere un po' più eh, snella per noi che saremo all'ingresso per cogliervi ok quindi mi raccomando non mancate perché sarà una serata assolutamente bellissima anzi un weekend bellissimo quindi una formazione che poi è un pomeriggio quindi eh, sarà sicuramente molto bello dinamico conciso e poi andiamo a mangiare e andiamo a divertirci un pochettino perché ovviamente eh, siamo qui anche per divertirsi Possiamo anche crearci una maratonetta per la domenica, subito la mattina all'alba magari, un paio di chilometri. <ride> Stavo scherzando, però ehm, è un'idea, lo possiamo organizzare. Io l'avevo fatta una volta quella con i colori a Milano Marittima, è stato veramente divertente, a parte che era una camminata, non era una corsa, perché mi conoscete, non sono in grado di correre. Vi auguro una bellissima serata a tutti, ci vediamo lunedì, vi faremo sapere l'orario. Se avete delle preferenze, magari faremo anche un sondaggio 19 o 21, perché 20 penso che per gli italiani non sia proprio un orario eh, decente, ora di cena. Dunque 19 o 21 metteremo il sondaggio sulla chat Freedom Academy e ci vediamo lunedì per la numerologia, domani invece ci sarà l'intelligenza artificiale con Nuno Cassau alle 20.30 al corporate. Vi metto subito l'insegna anche sul gruppo. Ciao a tutti e buona... Ciao a tutti, grazie, ciao. ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao, ciao. Ciao. ciao.